Et coucou tout le monde! Eh ben, on se retrouve pour faire le remplissage, hein? Alors, j'ai pas retiré la totalité. Là, j'ai retiré pour 2 semaines de course, donc j'ai retiré 140 euros. Tout le reste des enveloppes, je l'ai retiré. Il manquera juste les 3 autres semaines, parce que bon, ça sert à rien que je les retire maintenant. Ça me faisait moins retirer. Je me suis dit, je vais moins retirer, comme ça j'aurai plus de monnaie. Que nenni, voilà. J'ai eu que des billets de 50, donc j'ai commencé à faire de la monnaie à droite, à gauche dans mes enveloppes. Mais vu que je dois faire des trafics avec les enveloppes, on va faire ça ensemble. Voilà. Et ben donc c'est parti, hein, écoutez. On va commencer. Hop, on va tout poser. Alors ouais, il va falloir que je fasse de la monnaie. J'aurais besoin de monnaie. Mais bon, ça va le faire, hein. Donc déjà, oh, je n'ai pas rempli les trackers non plus. J'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait rien. En plus, je me trompe de trousse. Alors, hop, pour l'alimentation. Donc le budget c'est 350 euros avec 70 euros par semaine. Là nous sommes samedi 6. Nous sommes en tout début d'après-midi. J'ai mis 5 semaines. Ouais. Ok. Donc là, ça fait une semaine. Ok, ça c'est bon. Et donc pour les courses là que je vais aller faire tout à l'heure, du coup j'y vais cet après-midi avec mon ami. Je vais en profiter pour prendre tout ce qui est pack d'eau, de lait. Donc ça c'est ok, je remplirai le tracker hors caméra. Je vais pas essayer d'aller vite parce que j'aime pas aller vite, après je fais n'importe quoi. Mais au moins, voilà, y aller tranquillou. Entretien, hygiène, bah ça, c'est 20 euros. Sur ça, il n'y a pas de souci, on est bon. Hop, divers, 10 euros par semaine. Et j'ai compté 4 semaines, pas 5. Parce que, bah, il reste vraiment quelques jours pour la cinquième semaine. Donc, ça sert à rien de rajouter 10 euros. Donc, hop, divers. Voilà. Santé, 10 euros. Ça, c'est OK. École, je dois rajouter les 20 euros, mais comme moi, mon enveloppe, je dois mettre 30. Donc, j'ai déjà 20. Ce qui fait 50. Je vais garder les 20 euros du mois de juillet pour justement pouvoir bah, m'acheter des bouquins. Voilà. Que j'ai commandé mais qui ne sont pas arrivés. Je pense qu'il doit y avoir des pénuries de papier ou je sais pas trop. Parce que ouais, il n'y a pas. Bah, c'est tout en réimpression, mais ça n'avance pas la réimpression. Donc, école 20 euros. Ça, c'est bon. Il va manquer les 10 euros de Théo. Mais ça, il va falloir que je fasse de la monnaie. Donc, direction les épargnes. Pour ça, le classeur, pour l'instant, c'est bon. Je vais quand même cocher que j'ai pris les 70. Hop. Et là aussi, pour les 10 euros de divers. Hop là, ça on est ok. Comme ça au moins j'ai déjà ça qui est prêt. C'est cool. Donc on va voir les épargnes. Et puis ben, on va essayer de continuer à faire de la monnaie, hein, les amis. Hein. On va
essayer de faire de la monnaie. Défi 10 euros, ça non. Là, vous voyez, j'avais pris les billets de 20 pour faire la monnaie. Donc déjà, comment je peux faire ma monnaie? Je sais pas, les amis, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc le fonds d'urgence, il faut que je rajoute 20 euros. Ok, pour l'instant, c'est pas possible. Noël, il faut que je rajoute 30 euros. C'est pas possible non plus. C'est pas grave. Et Anniv 40, bah, c'est pas possible non plus. C'est pénible hein, quand il n'y a pas la monnaie. C'est vraiment pénible. Parce que là, du coup, il me reste 100. Ouais, bah ouais, parce qu'il y avait 10 euros pour Théo. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ouais, j'ai que des 40 en fait, un peu partout. Mais j'ai pas des 50 partout. Ce que je vais faire, comme j'ai pas fait le défi de l'été encore pour cette semaine-là, je vais le faire et je vais mettre 5 euros que je vais prendre dans l'alimentation. On va faire ça. Hop. Je récupère 15 euros. Et je mets 20. Jusque-là, on est bon, les amis. Donc, je vais cocher un petit 5. Voilà. Ok. Donc là, on a bien 10, 20, 30, 40, 50. 40, 50. Donc déjà là, hop, on met le billet. Allez. Ça, c'est fait. Ça, ça retourne dans mon enveloppe pour les courses. Voilà, on est ok. On est bon. Ici, il y a 30 pour le défi de 10 euros. Je vais déjà mettre les 10 euros pour Théo. Hop, parce que il en aura besoin, il part demain chez mamie, donc ce sera son argent de poche. Ils sont là. Donc lui, normalement, on l'a rempli. On est bon, so good, tout va bien. J'aurai juste à remplir après mes petites enveloppes dans mon filofax que je ferai hors caméra. Donc maintenant. Là, il va, faut que je mette 20 ici. Donc si je mets 20 ici. Hop. Noël, il faut que je mette 30. Noël, il faut que je mette 30. Et j'ai pas 30, j'ai 20. C'est pénible quand ils donnent pas la monnaie. Non, bah de toute façon, je peux pas faire grand chose là. Hein. Pour le coup, ouais. Bah écoutez les amis, tant pis.
Ce que je vais faire, je vais mettre quand même les 20 euros du fonds d'urgence. Ceux-là, on les met. Voilà. Hop. Je vais quand même le marquer que je les ai mis. Donc, on va marquer le 6,08 dépôt plus 20. Donc, ça fait 180 euros. Voilà. Eux, ils sont mis. On est bon. So good. Juste essuyer un peu. Voilà. OK. Donc, il manquera. Il faudra juste, pardon, que je fasse de la monnaie pour cadeau et pour Noël. Voilà. Donc, je vais faire de la monnaie bah, dans la semaine. Et puis, de toute façon, pour le bilan, bah, je vous montrerai ça. OK. Donc, ensuite, ce que nous devons faire, les amis, c'est de la monnaie. Vous savez qu'à chaque fois que j'ai 20 euros dans le défi d'or, du coup, je le remplace par des billets que je viens mettre ici. Donc là, il y a 24. Donc je vais marquer challenge 1000 euros moins 20. Donc il reste 4,40 euros. Donc là, je fais la monnaie de 20 euros que je vais enlever d'une enveloppe. Du coup, donc 2, 4, 6, 8, que je vais enlever d'une enveloppe. Enfin, je vais mettre les pièces, quoi. Je vais les remplacer. Donc là, on a 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. On va y arriver, hein? On va y arriver, les amis. 17. Bon, après, c'est vraiment des petites pièces. 17, 18, 2, 4, 6, 8, 10, 18, 19 et 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 3, 10 et 20. Ok, bah écoutez, nous allons les prendre. C'est pas ici. Donc il faut 20 euros. Ce que je vais faire, je vais pas prendre dans divers. Bah, moi je peux pas non plus. Je vais faire pour Théo. Je mets en pièce ou pas? Non. Non, bah écoutez, on va pas se prendre la tête non plus, hein. Hop, et je vais le mettre dans entretien hygiène. Voilà, on va faire ça. Je vais me dépêcher pour les petites pièces. Hop. Ouais, ce matin, franchement, je pensais vraiment qu'ils allaient. Je me suis dit, oh, je vais pas demander beaucoup. Comme ça, au moins, ils me passeront des petites coupures. Ben, j'ai pas eu le message. D'habitude, ça met un message. Voulez-vous là, bah, en différents billets. Donc, c'est oui, tout à fait. Et puis là, pas du tout. Tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, ici, on rajoute 20. Ça, c'est trop bien. Donc, pour rappel, hein, ça, c'est pour me prendre un ordinateur et un téléphone. Déjà, on va voir pour l'ordinateur. Donc, on en est à 140. Oui. Je vois rien.
C'est tout petit. Sur ça, on est bon. Donc, bah, j'ai toujours pas de monnaie, hein. Il y en a toujours pas de la monnaie. C'est pas très très grave, tant pis. Donc, ouais, je fais la monnaie, les amis, avec les sous là. Donc, pour ici, j'ai 70 euros parce qu'il y a 40 euros pour anniversaire et 30 euros pour Noël. Donc, je fais la monnaie dans la semaine et puis. Lors du bilan de la semaine prochaine, eh ben, je vous montrerai tout ça. Écoutez, on va faire comme ça, hein, parce que de toute façon, là, je ne peux pas faire grand-chose, je ne peux pas faire plus. Hop. Donc voilà les amis, pour ce qu'il en est de cette petite vidéo pour le remplissage, une partie du remplissage du mois. J'espère que pour vous tout va bien, hein, que vos vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui ont repris, bah, bon courage, hein, c'est une nouvelle année. Voilà, une nouvelle année qui commence après ses vacances, donc ça va aller. Courage à vous. bah, moi je vous retrouve bah, pour le bilan, voilà, qui sera fait en fin de semaine, parce que là, nous sommes samedi, donc vous avez eu la vidéo. Du bilan du mois de juillet. Demain ou après-demain, enfin, non, vous l'aurez dimanche. Dimanche, vous avez normalement vu la vidéo pour le bilan du mois. Je vous ai dit quoi avant? La vidéo budget, hein, pour le mois d'août? Non, je vous ai pas dit ça. Oh là là. On recommence. Là, vous avez eu. Aujourd'hui, samedi, la vidéo du budget pour le mois d'août. Demain, dimanche, vous avez la vidéo pour eh ben, le bilan du mois de juillet, parce que ben, il est toujours pas en ligne. Donc vous l'aurez dimanche. Et puis je pense lundi, on va faire ça. Hein, lundi, vous aurez cette petite vidéo du remplissage. Voilà, donc bah, écoutez. Pour l'instant, je vais vous laisser là. Alors, j'ai pas fait le défi flash, c'est vrai. Mais écoutez, c'est pas grave. Là, pour l'instant, j'ai pas très envie. de toute façon, je suis toute seule, donc je vais pas faire grand-chose. Donc voilà pour ça, les amis. Bah écoutez, moi, je vais vous souhaiter une très très belle semaine, une très très belle journée, une très très belle soirée. Tout dépend de quand vous allez voir cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.